Ça y est, c'est parti, tu vas faire un film sur le Personne n'a le droit d'être dans cette salle. Ça, c'est la salle du star. Les invités, c'est dans la grange. Celle-là, faut pas la débrancher, c'est la prise du frigo. Elle est effectivement identifiée. Du coup, ils vont voir un capteur comme ça. Des confitures. Tout ça, c'est des trucs qu'on a préparés pour les autres. Ok. Il y a plus de monde qui connaît les soirées. Ils sont restés Non. Non, ils étaient en tournée, je sais pas quoi. C'était bordel. Mais le lendemain, ils ont fait. Il y a une partie de Big Band qui a fait un concert à Malon. Et c'était vraiment super. À Malon ? Malon. Là, on était tout à l'heure. Nous proclamer l'ordre du jour. Le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas Lotus, c'est quand même compliqué sur la réunion. Alors, pour être tout à fait honnête. Alors, ouais. Laissez la parole à Lotus qui va revenir sur l'ordre du jour. En fait, c'est pour demain. Je pense que c'est pour voir la journée de demain et peut-être d'anticiper un peu sur vendredi aussi. Parce que demain, on va rentrer très très tard. Et donc, peut-être qu'on peut essayer de faire les deux jours. On a une petite liste de pas mal de choses. Lotus, je vois juste qu'en fait, hier, il faut juste qu'on check si ça va. En fait, on s'était dit que moi, je partais à 17h avec... D'accord. Et que toi, tu partais avec Klaus et Rebecca. Après, ça peut changer parce qu'en fait, la signalétique, on a installé les panneaux publicitaires aujourd'hui, mais pas la signalétique. Après, ça peut être fait à 17h. Hein. On peut pas être 40 comme ici ou 30 à manger là-bas. Il faut tout qu'on amène, c'est compliqué. Donc il faut qu'on décide d'une équipe qui reste là-bas et qui pourra manger sur place après les concerts et d'une équipe qui rentre et qui peut se faire à manger ici. C'est ok pour 10 kg de pain, 5 fois 2 kg à récupérer à la boulangerie à Mahalon, vendredi entre 16h et 19h30. C'est l'accord de Julien le boulanger. Parfait, parfait. Et là, tu le veux quoi en petit, le coupandé, en petite lamelle, quoi. Ouais. Plus bac de dessin. Mais là, c'est un dalle. C'est plus une soupe. Là, c'est un. Je t'assure, c'est un bloc. Ouais, 3 euros. Oui, c'est bon. C'est plus nourrissant, donc ça va être plus cher. C'est chouette. Je suis complètement. Il va falloir le. Les quoi? Une simplicité biblique, mais il fallait y penser. Qu'est-ce qu'un loup, c'est un jeton? Non. Et après, tu Non, mais non, mais
He didn't look and there was all this funny everything and they saw it and he also saw it. À l'inauguration officielle du 3e festival Entrela. Alors que le groupe de danseurs est assez serré et dans un état de suspens, j'amorce le mouvement suivant de la phrase. Mais à peine je commence à bouger qu'une partie de moi-même me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou, tu vas te faire remarquer, retourne tout de suite à ta place. » Donc je reviens à ma place, mais à ce moment-là, une autre partie de moi-même me dit « Eh mec, mais vas-y quoi, assume, si c'est toi le moment d'y aller, bah vas-y quoi. » En même temps, comment se souvenir d'un moment aussi important avec un aussi petit mouvement? Il fallait sans doute que le mouvement soit la mesure du bouleversement que j'avais ressenti. Thank you.
Ça fait pas mal bouger les instruments, les unités quand même. Alors que hier, je voulais en fait commencer, présenter le festival, vous présenter tous, présenter Laurent. Et puis, il y a eu cette cérémonie et tout ça. Moi, c'est des trucs, c'est ce genre de mise en scène. Après, je suis complètement... Voilà. Donc, je veux bien essayer de m'y greffer et de présenter, de dire bien pour les musiciens, le PAF, tout ça. Demain. Samedi matin, il y a une équipe. Il y a largement plus de 100 balles demain. Bon bah ça suffit. Il y a des sous dans la caisse de participation. Ouais. Parce que c'est du fromage. Tout. Bah, on va faire un point sur le peut-être sur les courses après, par rapport à demain et après-demain. Il faut pas que ça commence à plus de 10 minutes de retard parce que Ophélie elle est suspendue dans les arbres. Donc elle peut attendre 10 minutes mais pas plus. Donc plus on commence à l'heure. Et même si des gens s'y greffent, plus c'est possible. Je vais goûter. Je vais goûter ces courgettes quand même qui m'intriguent de mieux. Non, c'est bien. Tu vas mieux pour moi. Ça va, se dérouler. Le cadre de le deuxième endroit, c'est à la rue, à la droite. Bah, les deux à la fois. Une lecture de Gaël Le Meuble et le son de l'harmonica de Pascal Laurent. Je me penche et paraisse à mon aise. Tout à la contemplation d'un brin d'air occupé. Maison et pièce regorgent de mille parfums. Merci. J'étais l'année dernière aussi. Là, du coup, on est dans un concert pour nous trois, du coup. Ouais, ça va. Voilà. Ah, bon, c'est pour nous trois. Non. T'as un verre ou pas? Ben non. Tu vas le garder ou tu veux le rendre? Non. Eh ben alors...
C'est-à-dire même visuellement, tout le monde va. Enfin, tu peux pas passer à côté, quoi. C'est pas un truc discret. Tu vas voir tout de suite. Et j'en ai quatre. Et c'est un ampli. Et j'ai un ampli, j'ai un ampli pour... qui marche pour distribuer tout ça. Mais vous arrivez de la chapelle, là ? Ouais, c'est ça. Et Jean, il est pas là ? Sûrement. Si, si, mais peut-être que Jean-Luc a pas parlé de ça, je sais pas si c'est là-bas, c'est bon. Peut-être te servir même parce que tu veux me donner un repas. Tu peux te donner déjà un public, tu sais, sur le savoir. Et après, moi, quand je suis sur place, tout le monde a entendu parler. Tous les marins.
C'est l'épisode 4 de la troisième saison. Dans l'épisode 4, si on compte. L'épisode 4 de la saison 3 d'Entre là. Elle choisit sa place pour me regarder, dos à la fenêtre, dos en plein soleil. Je décide d'une brève traversée vers elle. L'amplitude de cette posture fait penser à un volatile lambda. La rupture du régime de la boulangère. Je change d'habit, je veux un peu de ce pain. Oh merde, c'est dur comme de la pierre. J'aurais dû le manger hier au milieu de. Papa, papa. Fouf, zouf, Donc voilà, et en fait c'est toute cette harmonie qu'il a réussi à mettre en place sur ce terre en plein milieu d'un chaos physico bourré, et que montre qu'il peut valoriser ses mains. Du coup, il s'en fout de faire pendant que les autres ils vont faire par exemple 60 minutes. Mais j'ai souvenir que j'avais préféré plutôt le truc de Graham Harman. Le truc de Graham Harman, copain de la même bande un peu. Ok. L'objet quadruple, ça te dit rien. Tu vas retrouver des ambiances.
I get to introduce the introducer. Whoa. The most important man of the festival, because Saint Laurent, entre pas le lac. Entre là, Laurent. Et ce, donc, au travers d'un plan bicaquénal, soit 10 ans. Un plan qui devrait voir son aboutissement le 24 décembre 2024, c'est un dimanche, je crois, à 23h, j'ai pris une joute, à Genève, c'est affreux, excusez-moi, je vais utiliser ça, à Genève, devant le siège de l'ONU. Volaille, c'est l'idée de construire un bloc d'immeubles de 170 km de long, 500 mètres de haut, 200 mètres de large, l'équivalent de 20 000 Twin Towers, pour accueillir 9 millions d'habitants à l'échelle 2045, avec, comme leitmotiv, zéro voiture. Je me sens perplexe. La surprise du chef, même s'il est déjà arrivé, j'ai envie de dire, comme le veut la tradition, entre là, Jean-Luc Guionnet.
tonne et de sortie. Mais dans le surélu, c'est mieux. Mais en fait, est-ce qu'on a l'autorisation de la direction aussi pour commencer? Ouais, faut peut-être vérifier. Je vais aller voir si on peut lancer. D'accord, on t'attend. Ça va bien. T'as mangé une pizza, quoi? Ouais. Ouais. Un peu plus d'avant. Je fais des clics, oui, ouais. J'ai l'impression que l'appareil est mal réglé. Il y a quelqu'un qui devait proposer. Voilà, il y a quelqu'un qui brandit du papier toilette. Voilà. Et donc, si vous voulez assister au concert, il est conseillé de vous confectionner des bouchons, des oreilles avec du papier toilette. Alors.